Le livre a une importance dans le développement de l'enfant, et ce, quel que soit l'âge de l'enfant, et que le parent a une place aussi dans cette rencontre avec le livre. Bien sûr, cette place du parent ne va pas s'inscrire de la même manière pour un tout petit de 8-10 mois ou avec un enfant de 10 ans, hein, même si cette place du parent, elle reste quand même centrale dans les rencontres de l'enfant avec le livre. Moi, j'aime situer particulièrement chez le tout jeune enfant. Et il est d'autant plus important, ce livre, qu'il est vraiment porté aussi par une lecture partagée, par une relation bâtie autour de lui. C'est-à-dire qu'il est porteur d'une relation parentale ou extra-parentale, on en parlera, mais qui permet aussi à l'enfant de se situer dans un contact relationnel. La place du parent, elle est bien sûr aussi à travailler, puisque le parent est le premier éducateur de son enfant. Mais nous, en tant qu'intervenants, vous, en tant que bénévoles, on a un rôle à jouer aussi dans cette rencontre entre l'enfant et le livre jeunesse. Dans ma recherche donc, de 2016, je me suis intéressée à savoir, mais finalement, on parle de lecture jeunesse, on parle de parents, mais est-ce qu'on a un seul parent face à la lecture jeunesse ? Donc j'ai interrogé plusieurs familles et finalement plusieurs profils parentaux vis-à-vis de cette question du livre jeunesse sont apparus, et ce en fonction de plusieurs critères. Déjà la fonction reconnue au livre, c'est-à-dire le statut du livre pour le parent. C'est-à-dire que pour certains parents, déjà l'objet livre, donc avant les 3 ans de l'enfant, hein, je vous rappelle quand je me situe dans vraiment la toute jeune enfance, pour certains parents, l'objet livre c'est seulement un objet comme un autre, un objet à manipuler par un enfant. Sans forcément bâtir une relation autour de lui. Donc, ce n'est pas un objet qui va s'ancrer dans une lecture partagée. Pour d'autres, au contraire, c'est justement un objet qui va permettre de porter une relation autour du plaisir, le plaisir d'être ensemble et le plaisir à lire autour d'un livre jeunesse. Et enfin, pour un troisième profil parental, le livre jeunesse a déjà vraiment une valeur d'objet d'apprentissage. Déjà, avant 3 ans, le livre est là pour apprendre quelque chose à l'enfant. Apprendre les sons, apprendre les lettres, apprendre les images, apprendre le vocabulaire. Mais il y a déjà cette notion didactique qui est fortement présente. Le rapport au livre aussi va influencer fortement comment le parent va s'imprégner de cette première rencontre. Le rapport au livre, déjà par rapport à son propre rapport en tant qu'adulte. Quel rapport on a nous-mêmes avec le livre? Est-ce qu'on a plaisir à lire ou pas? Hein, et quels sont finalement aussi les documents que nous sommes amenés à lire, mais aussi le rapport qu'on a dans la lecture jeunesse par rapport à nous, tel qu'on se souvient de notre plaisir à lire plus jeune, mais aussi quelles sont les attentes qu'on dépose dans le livre jeunesse. Et ça renvoie au statut du livre. Qu'est-ce que j'attends du livre pour mon enfant ? D'autres choses vont être influencées aussi, notamment les pratiques familiales. Donc, chez les enfants de moins de 3 ans, les fréquences de lecture sont très variables. 38% des familles disent pratiquer des temps de lecture quotidiens. Ce qu'ils le disent, c'est essentiellement sur le rituel du coucher, où du coup, la lecture est plutôt le plaisir d'être ensemble avant une séparation. Hein, donc, très lié à l'attachement, très lié à d'autres notions. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que pour 23% de ces enfants de moins de 3 ans, il n'y a jamais, les parents le disent, jamais de lecture partagée dans l'environnement familial. Donc c'est là aussi où nous, on a tout un rôle à jouer sur les rencontres que l'enfant peut faire dans un autre lieu. Il est aussi pardon, intéressant de noter que pour 9,3% des enfants de moins de 3 ans, il n'y a aucun livre jeunesse encore dans leur environnement familial. Donc le livre arrive plus tard, hein, arrive du coup avec l'arrivée en école maternelle souvent, où le livre est corrélé déjà à la scolarité. Donc il y a des variables bien sûr qui entrent en compte, hein, mais je ne vais pas les développer là, vous pourrez me contacter si vous êtes intéressé sur cette question-là, mais ça va être l'âge de l'enfant. Plus l'enfant grandit, plus des pratiques vont être partagées avec lui. La catégorie socio-professionnelle du parent, hein, même si on n'est pas forcément dans les attentes, parce que les parents, c'est des parents cadres qui sont parfois très pris, parfois peu disponibles pour les lectures. Enfin, voilà. Il y a aussi la catégorie socio-professionnelle du parent qui apparaît. Et puisque le parent nomme de l'intérêt de l'enfant pour ses temps de lecture partagés.
Donc il était intéressant pour moi de lier ses propos à ce que Stéphane Bonnery a pu dire lors de la rencontre interrégionale du 14 mars dernier, où lui il interroge plutôt, c'est une étude plutôt sociologique, il est sociologue, et avec des enfants un peu plus grands, les enfants de 4-8 ans, et il a interrogé aussi la place du livre. Il est intéressant de noter que la persistance des inégalités, elle est toujours là, mais elle existe non pas en termes de présence-absence du livre, parce que tous les enfants de cette tranche d'âge-là avaient des livres dans leur environnement familial, mais plutôt sur la quantité des livres et les types de livres. Donc il a travaillé sur une typologie des livres, en partant de l'hypothèse que finalement, tous les livres n'étaient peut-être pas accessibles intellectuellement quand on les avait entre les mains. Donc avec une question, finalement, de l'appropriation culturelle du livre. Il a travaillé finalement sur une typologie à partir d'une mise en relation entre éléments narratifs et conclusions, texte et image, et la référence à des éléments culturels. Et il a travaillé sur deux typologies. Donc il a classé ses albums en deux catégories, A- A+, et on n'est pas du tout sur un classement qualitatif. Parce que c'est vrai que le A+, A- pousserait à penser que... Mais on n'est pas du tout sur A+, sera mieux que A-. On n'est pas dans ces choses-là. C'est plus en termes de ce que ça va invoquer dans la réflexion et le sens. Donc les albums A- seraient des textes où il y a un étayage entre le texte et les images. C'est-à-dire que quand on lit le texte et les images, ça va ensemble. Il n'y en a pas un qui vient contredire l'autre. L'un nourrit l'autre. Le lecteur est un petit peu pris par la main. C'est-à-dire que l'oralisation est suffisante à comprendre le sens. On lit le texte, l'image correspond. Et on comprend tout de suite la conclusion. Il n'y a pas de sens caché. Donc ça, ce sont les albums de type A-. Un autre type d'album est l'album A+. Là, c'est plus compliqué parfois pour un lecteur. Et c'est là où après, on verra comment on y vient à la question des familles, parce que toutes les familles n'ont pas accès à ces textes album A+, parce qu'il y a déjà une discordance entre le texte et les images. C'est-à-dire que le texte ne raconte pas l'image et l'image ne raconte pas le texte. Donc on a des éléments plus dans l'image ou des éléments plus dans le texte. Donc il faut savoir ce qu'on en fait. Donc le lecteur ici déjà devient un enquêteur sur le sens. Il faut déjà nous-mêmes en tant qu'adultes lecteurs comprendre pour transmettre à l'enfant avec donc plusieurs niveaux de lecture. Et là l'oralisation ne suffit pas à comprendre. On a besoin de passer par une description des images ou par une explication pour vraiment accéder au sens profond du texte. Donc les albums A+, sont un outil intéressant puisqu'ils permettent d'aller vers une socialisation plus élaborée, une culture. Il faisait référence à un album de Babin dans lequel il y avait des peintures, donc ça permet de travailler sur l'accès à la culture, etc. Une des limites, c'est que ça peut être un outil qui peut être inaccessible faute de prérequis. Donc il était intéressant dans son propos, Stéphane Bonnery avait bien dit que dans les familles populaires, finalement on a principalement des albums A-. Avec quelques exceptions près, mais ces enfants-là sont souvent confrontés à des lectures basées sur les albums A-, tandis que les familles cultivées, avec plein de guillemets, ont une répartition entre des albums A+ et A-, avec des usages beaucoup plus riches et un accès au sens beaucoup plus riche. Pour continuer ces travaux-là, Sarah Gisquet, qui travaille aussi avec lui, qui est sociologue, nous a exposé lors de la rencontre interrégionale du 27 mars dernier une étude dans la poursuite des travaux de Stéphane Bonnery, mais sur l'exemple des animateurs en centre de loisirs. En se disant, c'est aussi un petit peu comme vous, les bénévoles, des intervenants autres que le monde scolaire, autres que les parents dans la rencontre avec le livre, mais comment ça se passe ? Alors, il a été intéressant de noter que le livre, finalement, était présent dans toutes les structures d'accueil, mais avec des mises à disposition variables. Donc, elle nous expliquait, dans certaines structures, ils étaient mis dans la salle complètement au bout, fermés dans un placard, mais qu'ils avaient le mérite d'exister, mais complètement inaccessibles aux enfants. Donc, ça posait plutôt la considération portée au livre comme un objet qui ne peut être manipulé par l'enfant. Et il y avait une proportion différente du type d'album, avec parfois plus de A+, plus de A-, etc. Et elle notait par rapport aux pratiques des animateurs des choses différentes, oscillant entre des pratiques qu'elle a pu observer dans l'environnement familial, mais aussi des pratiques qui ressemblaient davantage aux pratiques que peuvent mettre en place les instituteurs, qui est « il faut apprendre quelque chose à l'enfant par rapport au livre ». Donc moi, la question que je lui posais et qui était renvoyée par le groupe, mais c'était finalement la notion de plaisir autour du livre, elle est nous. Et on en reparlera parce que je pense que c'est vraiment nous, central dans nos pratiques, c'est de retrouver
cette notion de plaisir que l'enfant n'a peut-être pas dans ses différentes propositions extérieures. L'intérêt pour l'enfant d'une rencontre avec le livre jeunesse très tôt, hein, avant ses 3 ans, mais pas forcément dans quelque chose d'apprentissage, hein, juste la rencontre et puis la relation autour de lui, c'est que ça permet déjà l'augmentation du vocabulaire, tel qu'a pu l'écrire Voynet, qui est lui-même un véritable outil en apprentissage de lecture-écriture. Il va permettre aussi d'être dans un processus d'imitation du parent-lecteur ou du bénévole-lecteur. Je vois le bénévole-lecteur et prendre plaisir à lire, donc moi, en tant qu'enfant, je veux reproduire cela. Ça va permettre aussi d'étayer les pratiques parentales qui vont être au centre de temps de rencontre au livre et à la lecture. Hein, donc, de pouvoir permettre des temps relationnels importants entre l'enfant et son parent. Ça va permettre de travailler sur la différenciation écrit-dessin qui apparaît aux alentours de 2 ans. Je ne sais pas si vous avez déjà pu en faire l'expérience, mais certains enfants, à partir de, on dit 2 ans, mais vous savez bien que c'est une moyenne, hein, ça peut être un peu avant, un peu après, certains enfants ne vont plus que regarder les images, comme s'ils avaient compris que le texte, pour le moment, leur était inaccessible. Donc c'est déjà qu'ils ont fait une distinction entre image et texte, et c'est qu'ils ont compris que le texte apportait quelque chose qui, pour l'instant, n'était pas encore à leur portée. Et cette différenciation écrit-dessin, elle est importante parce que c'est la première étape de la psychogénèse de l'écrit telle qu'a pu le décrire Ferrero, Emilia Ferrero. Et ça favorise la conscience phonologique. Quel est l'intérêt et les bienfaits pour la diade enfant-parent de ces temps de lecture-là et de nous, enfin vous plutôt en tant que bénévole, de voir comment on peut essayer de faire une petite place à ce parent-là? Parce que ça va permettre de travailler sur le sentiment de compétence parentale. Moi aussi, je peux lire un livre avec mon enfant, ou moi aussi, je peux partager un temps de lecture avec mon enfant. De favoriser les temps de relation entre l'enfant et son parent, médiatisés par le livre, et de permettre l'instauration du temps de plaisir, de temps de partage, pardon, basé sur le plaisir. Et j'insiste vraiment sur cette notion, parce que pour moi, elle est vraiment centrale. Je dirais qu'elle est un petit peu à l'interface entre tout ça, c'est de soutenir un petit peu la parentalité par l'écoute, le conseil, l'accueil bienveillant, un bonjour. Hein. Et aussi, bah, pourquoi pas, je passe au point d'après, mais faire entrer le livre à la maison, par un système de prêt, ou par une bibliographie donnée aux parents. Enfin, qu'il y a des petites choses qui peuvent exister pour travailler ce lien qui n'est pas direct, parce que vous ne travaillez pas directement avec les parents, mais pour sensibiliser les parents, en tout cas, à la lecture jeunesse pour leur enfant. C'est valable pour les enfants de moins de 3 ans, mais là, c'est valable pour tous les enfants. C'est de permettre aussi aux parents de faire l'expérience de l'intérêt de l'enfant pour le livre. Quand son enfant rentre et dit « mais c'était super aujourd'hui avec Dominique, on a lu tel livre, et est-ce qu'on peut l'acheter ?» Bah, qu'il y a déjà quelque chose qui se crée autour du livre jeunesse. Hein, même si on ne touche pas directement le parent, il y a quand même quelque chose qui se transforme. Ça favorise le processus d'imitation à la posture de lecteur. Bah oui, elle nous dit qu'elle a pris beaucoup de plaisir avec Dominique, bah moi aussi je vais lui lire un livre, hein, pour reproduire aussi cela. Par rapport au point qu'on a pu évoquer par Stéphane Bonnery et Sarah Gisquet, moi je rajouterais qu'il est intéressant aussi de se différencier du monde scolaire et de la pratique des éducateurs animateurs en favorisant la relation qui est bâtie autour de l'objet libre et en favorisant la notion de plaisir. C'est en ayant nous-mêmes plaisir à être là qu'on va pouvoir transmettre quelque chose à l'enfant, du plaisir à lire ensemble et du plaisir à lire à l'autre. Et de faire varier du coup les propositions de livres, pardon, avec des livres à plus, des livres à moins, pour favoriser les rencontres multiples avec le livre et les différents niveaux de compréhension d'un texte. La famille, c'est le premier lieu dans lequel l'enfant se construit. C'est extrêmement important. Il faut toujours s'en souvenir. Hein, un enfant, ça ne vit pas tout seul, pas plus qu'un bébé, encore autant qu'un bébé, je veux dire. Et donc, le rôle que nous jouons, nous, redouble, enfin que vous jouez, vous, les bénévoles, redouble ce rôle d'éducateur. J'ai plus envie de dire d'accompagnateur, tu vois, nous accompagnons, nous sommes plutôt
des guides, plutôt qu'on n'a pas en tête cette fonction éducative et encore moins la fonction d'apprentissage de l'école. Ce n'est pas du tout le lieu pour ces activités dites culturelles. Moi, je pars pour les enfants 0 à 6 ans. Hein, c'est pas tout à fait la même chose après. Tu as parlé de la non-considération du livre par certains parents. Effectivement, elle est très fréquente. Et tu as souligné, en reprenant les propos de la deuxième personne, Sarah, que lire avec des jeunes enfants, qui, vous le savez, pour l'avoir pratiqué avec les enfants dans les écoles où vous allez ou dans les crèches où vous allez, vous savez que les enfants, très tôt, se révèlent comme étant des petites personnes, des sujets capables d'être sensibles à des émotions esthétiques et beaucoup plus tôt qu'on ne le dit, qui sont aussi capables peut-être pas d'avoir cette pensée rationnelle que je ne défends pas toujours du reste, qui est celle des grandes personnes, mais une pensée qui est une pensée en construction, et cette pensée en construction, elle se nourrit évidemment de tous les apports des livres avec lesquels nous partageons les séances, lorsque vous partagez les séances, lorsque vous pratiquez ces activités dans le cadre de lire et faire lire, et que les enfants répercutent. Hein. Dans ce travail que nous menons, qui est axé même maintenant depuis les années 1980, le rapport au livre dans des relations de plaisir, de liberté et de totale gratuité permet à l'enfant d'exercer sa pensée, de la construire et d'y prendre un plaisir fou parce qu'on n'attend pas de lui une construction de sens qui soit la nôtre. On lui laisse la liberté, mais c'est aussi ce que Winnicott appelle la créativité. Je pense que tu seras d'accord, Sophie. La créativité, c'est il fait de ce qu'on lui donne ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a besoin de faire, ce qu'il est capable de faire, peu importe. Est-ce qu'il y a des normes sur la manière de lire, de comprendre, à l'école peut-être, mais dans la vie, vous êtes tous lecteurs, j'imagine. Je veux dire, moi, si on m'imposait, mais même à la sortie d'un film, une manière d'avoir regardé le film, je me défendrais. Je crois qu'il y a cette liberté, cette créativité, il y a quelque chose qui nous est donné, et nous sommes en train, en lisant, de construire une représentation mentale des choses qui nous sont à la fois montrées et à la fois dites. Parce que même sur une image, un enfant reconstruit. Donc, bon, ça me paraissait important, j'avais envie de le dire. Ces lectures enfantines, ces lectures d'enfance dont parle Proust à maintes reprises dans ses livres, dont il dit que ces lectures enfantines sont inoubliables, elles sont inscrites en nous pour le reste de notre vie. Et non seulement les lectures elles-mêmes sont inscrites, mais ce qui est inscrit aussi en nous, c'est le cadre dans lequel elles ont été faites. C'est-à-dire les lieux, c'est-à-dire les personnes, c'est-à-dire les moments, et c'est-à-dire aussi, ajoute-t-il, les émotions qu'elles ont permis de ressentir. Et je crois que ces moments de lecture d'enfance que nous pratiquons donc, parce que même lorsque nous lisons à haute voix, l'enfant lit avec nous, bien sûr, nous lisons avec l'enfant et pas l'enfant, sont des lectures essentielles et comme tu le soulignais, des lectures fondamentales dans le sens où elles font d'un sujet, et non seulement un sujet qui comprend et qui interprète, mais un sujet qui pense, et un sujet qui pense en toute liberté, mais en ayant évidemment à disposition des sollicitations, des connaissances, des savoirs qui lui sont proposés, des situations qui le font donc réagir et penser. Et lorsque nous faisons ce travail avec les jeunes enfants, sans chercher à les entendre ou à penser qu'ils comprennent exactement comme nous, mais en applaudissant
sur chacune de leurs interprétations, même si ce ne sont pas les nôtres, nous leur donnons le plaisir de leur propre pensée. Avoir plaisir à sa propre pensée, c'est ce qui permet à un enfant de continuer à penser, sinon ça bloque. Si personne ne s'intéresse à sa façon de réagir à un livre, si personne ne s'intéresse quand on a un enfant au fait qu'il montre du doigt quelque chose, que ce soit sur un livre ou que ce soit dans la réalité, un oiseau sur un arbre, etc. Si personne ne réagit, si personne ne prend en compte ce qu'il est en train de vous dire à travers cette DX6, hein, ce qu'on appelle la DX6, montrer du doigt, l'enfant arrêtera de vous parler, l'enfant arrêtera de vous montrer, et surtout il arrêtera de penser, parce qu'il vivra cette manière de faire, son comportement, comme quelque chose de négatif au lieu de quelque chose qui, au contraire, vaut tout à fait la peine d'être encouragé pour l'accompagner toute sa vie. Effectivement, il y a des familles dans lesquelles il n'y a pas de livre. Mais il y a des familles dans lesquelles, même sans livre, on peut raconter. Dans les traditions orales de familles, en particulier venues d'Afrique, où le livre n'est pas ce qui circule le plus dans les maisons, il y a du récit. Et ce qui est important, plus que le livre objet, bien sûr qu'il est important, parce que le livre objet, il instaure une permanence, hein, ce qu'on appelle la permanence de l'objet, extrêmement important pour les enfants. Mais ce qui est encore plus important, c'est l'idée que l'enfant très tôt ait la possibilité d'être mis en contact avec la langue du récit. Parce que la langue du récit est la seule langue qui permet d'être ici et ailleurs, de parler du passé, du présent et du futur, de parler de ce qui existe, a existé ou existera, et de parler aussi, et de faire vivre, et de faire advenir quelque chose qui n'a jamais existé. Vous n'avez jamais vu de dragon, vous n'avez jamais vu de sorcière, sinon quand vous utilisez le terme de manière métaphorique. Donc le récit qui est construit en plus avec un début, un milieu, une fin, qui permet à l'enfant d'anticiper, d'attendre, etc., qui relève effectivement, quand on le lit, d'une activité extrêmement, je ne vais pas dire extrêmement élaborée, mais en tout cas, il s'agit d'une activité et non pas de recevoir passivement quelque chose qu'on vous lit à haute voix et qui ne vous fait pas réagir. Donc, cette langue du récit, elle est extrêmement importante, et je crois que tu en seras d'accord, hein, parce que de toute façon, aujourd'hui, nous retrouvons par écrit, évidemment, tous les contes traditionnels, comme d'ailleurs tout le patrimoine oral de la petite enfance, les comptines, etc., qui sont maintenant insérés dans des livres chez Didier Jeunesse, par exemple. Vous avez un livre par conte, un livre par comptine, invite à un autre usage, puisque cet usage du livre, d'une certaine manière, introduit un objet tiers dans une relation qui était une relation duelle, mère-enfant ou père-enfant. Vous me suivez, hein? Il y a une relation duelle, puisqu'il y a le livre entre l'enfant et la mère. Mais je crois vraiment qu'il faut avoir en tête que l'important, et qu'il n'y a pas de hiérarchisation, je crois. Je pense que tu es d'accord aussi, il n'y a pas d'hiérarchisation entre un texte écrit j'ai envie de dire, un texte oral, et même j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de hiérarchisation entre un texte écrit et un texte dit par l'image. Sur toute image, derrière toute image, il y a un texte. Si un bébé tout seul, ça n'existe pas, si une table rase, ça n'existe pas, qu'en est-il d'un enfant? Quand il arrive à 3, 4 ans, vous l'avez à l'école, que vous l'avez dans vos séances de lecture, on ne peut absolument pas imaginer qu'il est vierge. Hein. Il arrive avec une culture, il arrive avec un vécu, il arrive avec des émotions, il arrive avec des frustrations, il arrive avec des manques, il arrive avec des joies, il arrive avec des attentes, des désirs, etc. Et évidemment, notre rôle, ce n'est pas d'essayer de trouver quels sont ses désirs, ses pensées, etc. C'est de proposer une diversité, bien sûr, mais d'avoir cela en tête. D'avoir cela en tête, et comment montrer que nous l'avons en tête
c'est d'une part de proposer la diversité, d'autre part laisser ce sur quoi j'insiste continuellement, ce sur quoi nous insistons continuellement, la liberté de choix à l'enfant du livre que vous allez lire avec lui. Alors là, vous pourriez me reprendre, parce que qu'est-ce que ça veut dire lire avec un enfant quand on est dans un groupe et qu'on en a 20? La difficulté. Hein, j'espère que vous n'en avez pas 20, on me disait. Sinon, je ne vois pas comment un enfant peut trouver sa place dans un groupe important pendant une demi-heure, une heure ou deux heures de lecture. Quand on lit avec des enfants, il est important que chacun des enfants qui assiste à la séance de lecture se sente individuellement concerné. C'est-à-dire qu'il faut que cette individualité dans le groupe, elle soit prise en compte par le lecteur et que l'enfant puisse vérifier ou en tout cas ressentir qu'effectivement lui-même est regardé, il y a un geste, il y a ceci, il y a cela. Et puis surtout, les enfants choisissent les livres qui les attirent parce qu'il y a une couverture. Vous savez, la couverture d'un livre, c'est déjà un horizon d'attente qui se crée. Hein. Vous voyez une vache, vous ne pensez pas que... Je l'ai dit, vous voyez une vache, vous ne pensez pas qu'on va vous parler de train. C'est faux, parce que souvent, on dit que les vaches regardent passer les trains. Mais surtout quand ils n'étaient pas des TGV, maintenant ils ont à peine une raison. Bon. Il y a toute cette idée, mais effectivement, l'horizon d'attente, il est créé par la couverture du livre et par le titre quand on le lit aux enfants. Et le choix d'un enfant, quand il y a des livres par terre, ça peut être un choix. Je ne dis pas raisonné, mais un choix qui est plutôt quelque chose d'instinctif vers quelque chose qui l'intéresse, un sujet, un monde, un contexte, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et quand je disais tabula rasa, ça n'existe pas, que les enfants que vous avez sont déjà des enfants, ils sont toujours en construction, mais ils ont déjà des acquis. Ils ont déjà une personnalité qui commence à s'affirmer, et donc on ne peut pas demander l'unanimité pour un livre, comme pour un film, comme pour un jeu, à tous les enfants auxquels nous avons affaire, en plus au même moment. Est-ce que nous, au même moment, nous avons tous envie de manger ou de dormir ou de... Il y a des rythmes qui sont différents, il y a des... Bon, donc introduire l'enfant dans ses activités, d'ailleurs, de lecture, des petits rituels sont extrêmement intéressants parce que ça coupe avec la réalité, ça coupe avec les préoccupations qui sont les préoccupations du moment pour entrer dans cet espace d'illusion qui est le livre, qui est parfois un espace qui fait peur parce que c'est un monde nouveau, parce que ça demande, on ne rentre pas dans un livre comme on rentre dans une pièce, hein, ça demande... une disposition mentale particulière, etc., une attente, un désir. Ces données sont importantes et les respecter, toutes ces données, si vous voulez, c'est apporter un confort à l'enfant, un confort que, comme tu disais tout à l'heure, l'enfant est capable de transmettre quand il va vouloir lire avec ses parents, quand il va demander un livre à ses parents, ou quand les parents vont chercher un livre à la bibliothèque, l'enfant peut non pas imposer, mais peut suggérer à ses parents des modalités de lecture qui seraient semblables au vôtre. Donc vous avez vraiment un rôle à jouer. L'enfant, effectivement, va imiter dans sa famille les modalités que vous aurez mises en place dans vos séances de lecture. Hein. Et par l'imitation, les parents peuvent avoir envie de reproduire également, hein, il n'y a pas que les enfants qui imitent, hein, les parents peuvent avoir envie de reproduire ces modalités qui sont confortables, qui sont agréables, qui permettent de partager un plaisir sans cet souci permanent d'efficacité, et puis surtout d'efficacité immédiate, mais c'est horrible, on n'est pas des machines, et les enfants encore moins que nous, laissons vivre leur enfance. Les outils, je pense que les enfants se les fabriquent par une pratique régulière de lecture ou de partage de lecture avec vous, avec leurs parents, avec eux-mêmes.
le choix d'un enfant qui prend un livre qu'il n'a jamais entendu lire, il ne peut pas savoir si c'est un livre à plus ou un livre à moins. Un enfant est attiré par un livre parce qu'il est attiré par une couverture, parce que cette couverture crée chez lui un horizon d'attente, parce qu'il est sensible peut-être à la manière dont l'image représente les choses, etc. Parce que le titre que vous lui lisez peut évoquer chez lui quelque chose ou pas, soit évoquer chez lui quelque chose de familier et c'est ça qu'il recherche, il le prendra, soit peut-être évoquer chez lui quelque chose qu'il n'a jamais entendu et il a une espèce de plaisir d'intranquillité ou de découverte et il le prendra, on ne peut pas savoir. La lecture pour les parents, c'est d'abord un outil de connaissance, un outil de savoir, un outil d'apprentissage, et que c'est l'opposé, pour moi en tous les cas, pour nous dans le travail que nous faisons, c'est l'opposé de la fonction de la littérature. Si on nous disait, bien, tiens, lis ceci, tu vas apprendre des mots, lis ceci, tu vas... Je veux dire, moi j'aurais pas envie de lire. Hein, le premier geste, ce qui importe dans le lire, c'est dans l'acte de prendre en lire, c'est le désir de lire. Les enfants d'aujourd'hui questionnent beaucoup, et aujourd'hui on les entend, les questions des enfants, parce que il est dit effectivement, on commence à savoir que les questions des enfants, c'est pas uniquement pour faire acte de présence, mais c'est aussi parce que très tôt, les enfants se posent des questions sur la vie, le sens de la vie, la mort, l'avant, l'après, etc. Et que ces questions-là, il est intéressant d'avoir des livres, non qui apportent des réponses, parce que sur la mort, moi je n'en ai pas, peut-être des croyants, oui, mais je n'en suis pas. Ce qui peut être important, c'est de leur donner des outils pour penser et trouver des réponses qui ne seront peut-être pas des réponses définitives, on a toute la vie pour les modifier, des rencontres, des événements, etc., mais des outils pour essayer d'élaborer des réponses ou voir poser d'autres questions qui permettent d'avancer dans la voie justement des mystères de la vie qui, ces mystères de la vie, ils concernent les enfants très très tôt. Donc voilà, je pense que quand vous les avez questionnés en leur apportant des livres qui justement mettent en avant des questionnements enfantins, ces questions peuvent être répercutées par l'enfant dans la famille, etc. Il peut, quand il parle bien sûr, rappeler ce qu'il a entendu. Tout cela va créer une forme de terreau, si vous voulez, sur lequel les uns et les autres vont s'appuyer pour... j'ai envie de dire, pour grandir, parce qu'il n'y a pas que les enfants qui grandissent, nous aussi nous continuons à grandir toute notre vie, et les enfants aident les grands et les petits à continuer de grandir. Les livres, en partie, entretiennent leur curiosité. Vous savez que la petite enfance est le moment de la vie dans lequel les enfants apprennent le plus sur le monde, parce que quand ils arrivent, ils ne savent pas grand-chose sur le monde qui les environne. Donc, ils apprennent le plus sur le monde, ils regardent tout, ils intériorisent tout, ils vivent corporellement tout ce qui les intéresse et tout ce qui les entoure. Tout cela, si vous voulez, est effectivement un facteur d'évolution et en même temps de plaisir, mais sans que nous ayons cette intention d'efficacité. Donc ça développe les compétences, nous le savons tous, ça développe les compétences puisque plus nous avons de moyens de penser, plus effectivement nos pensées vont être élaborées. Quand vous lisez, les livres vous apportent la découverte de l'autre. Quel autre outil que le récit fictionnel, quel autre outil vous permet de pénétrer dans les pensées et dans le tréfonds de l'âme de quelqu'un que vous avez en face de vous, soit dans la réalité, soit sur la page d'un livre. La fiction seule permet d'entrer dans la tête de ce que pensent les personnages, puisque c'est le propre même
de la fiction. C'est le propre même de la fiction. Alors que là, moi, je vous vois, je ne sais pas du tout ce que vous avez derrière vos têtes. Dans un livre, je sais ce que les personnages ont derrière la tête. Et forcément, tous les personnages n'ont pas dans la tête ce que j'y ai, moi. Dans des situations qui ne sont jamais exactement les mêmes que celles que je veux vivre, moi. Quand je dis vie, c'est, je parle de l'enfant, hein. Mais qui très souvent y ressemble, hein, au quotidien ou pas, qui très souvent y ressemble et qui de toute façon mettent en jeu les mêmes émotions, hein, les mêmes ressentis, les mêmes émotions, parce qu'il y a un fond commun d'humanité, espérons-le, en nous et en chacun de nous. Et donc ces émotions, et c'est pourquoi d'ailleurs, quand vous pensez à la littérature, qu'elle soit pour les petits, pour les moyens ou pour les grands, la littérature, elle ne cesse de traiter de quoi ? Elle ne cesse de traiter de notre monde intime, hein, du monde social aussi, bien sûr, mais les tout-petits, c'est d'abord l'affectif qui les intéresse, de notre monde intime, c'est-à-dire ce que nous ressentons, la jalousie, l'amour, la colère, la frustration, la déception, la littérature est nourrie de ça. Et elle vous le raconte, évidemment, de manière différente, et ça, c'est toute la force des textes, des styles, les talents des auteurs et des illustrateurs, hein, parce que les images aussi racontent cela, mais il va de soi que tous ceux qui ouvrent un livre savent qu'ils vont être, à un moment ou à un autre de l'histoire, plongés dans cette illusion référentielle où les personnages deviennent des personnes qui vous ressemblent, qui vous parlent de vous et qui en même temps vous parlent des autres. Les enfants, dans leur tête, très vite, construisent en fait une carte psychologique de l'autre. C'est-à-dire, comment très tôt, hein, je crois que c'est à partir de 2-3 ans, tu me diras Sophie si je me trompe, mais à partir de 2-3 ans, les enfants prennent conscience que vous pouvez être en face d'eux et avoir à la fois des ressentis, des désirs et des manières d'être qui sont très différents, hein, ce qu'on appelle les théories de l'esprit, très différents de ce qu'ils sont, eux, les enfants, de ce qu'ils vivent à ce moment-là, de ce qu'ils pensent à ce moment-là et de ce qu'ils désirent à ce moment-là. Faisons confiance, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Faisons confiance au livre et faisons confiance aux tout-petits. Et ça, je crois vraiment que c'est important. Les livres à moins, je ne les aime pas beaucoup, moi, les livres à moins. Parce que les livres à moins, ce sont des livres qui ont plutôt pour moi une vocation didactique. Ce sont des livres dans lesquels une phrase par image, l'image, le texte qui redit l'image. Mais le texte qui redit l'image, il n'y a pas de jeu entre l'image et le texte. Et le jeu entre l'image et le texte, pour moi, c'est un espace de liberté. L'espace que ça me laisse, pour moi, construire le sens qui me convient, que j'ai envie de construire, que je suis capable de construire, et non pas quelque chose qui est fixé. Le plaisir de lire, c'est aussi une pluralité de sens. Un jour, vous avez lu des livres quand vous aviez 15 ans ou 16 ans, hein, que vous deviez lire à l'école. Vous les relisez après. Est-ce que vous voyez aujourd'hui les mêmes choses que celles que vous aviez lues quand vous aviez 15 ou 16 ans? Nous évoluons, les enfants évoluent. Un enfant à qui vous proposez un livre aujourd'hui, il va le reprendre 3 jours après, il ne le lira pas de la même façon. Il y a tellement de choses qui bougent. Les livres sont des lieux, des espaces dans lesquels on peut partager ses émotions et lire ses émotions et lire les émotions des autres. Donc je l'ai dit là, il y a 5 minutes, je crois, combien le domaine affectif était important pour le tout petit, qui s'identifie d'ailleurs, hein, vous savez à quel point l'enfant s'identifie au personnage, et en particulier comme nous d'ailleurs, au personnage qui souffre. Hein. Lire, c'est aussi compatir. Nous aimons compatir, nous aimons avoir de la compassion pour les personnages qui souffrent, ce qui est une manière, ce qui est d'une certaine façon une manière d'attendre qu'on en ait pour nous, si vous voulez. Cette compassion, et j'imagine si je vous questionne, mais vous ne me le direz pas, que vous avez beaucoup plus de souvenirs dans vos têtes, voire dans vos cœurs,
de livres que vous avez aimés parce que vous avez pleuré dessus ou eu peur pour le devenir des personnages, que des livres dans lesquels on a chanté le bonheur. Dans un observatoire que je suis là, à Rouen avec Sylvie Jouplineau, que je suivais à Rouen avec Sylvie Jouplineau qui a mis en place une association qui s'appelle Lire à Rouen Normandie. J'ai toujours en tête ce qu'elle racontait, donc une observation d'un tout petit enfant de 2 ans, je crois, à qui Sylvie ou les autres animatrices avaient lu ou regardé avec lui un livre qui s'appelle « Beaucoup de beaux bébés ». Vous le connaissez ? « Beaucoup de beaux bébés », qui est un livre de photographie en noir et blanc avec... et qui montre des contraires, un bébé nu, un bébé habillé, un bébé qui rit, un bébé qui pleure, un bébé chauve, un bébé avec des cheveux, etc. Et dans cette pièce, il y avait une petite fille qui venait d'arriver. Alors ça se trouve dans des conditions particulières, ce sont des enfants qui sont retirés à leur famille et qui sont gardés dans cette institution, donc des enfants assez fragiles, on va dire. Et arrivait une petite fille qui n'était pas là depuis très longtemps et qui s'est mise à pleurer, inconsolable. Les personnes autour ont eu beau essayer de la distraire, rien n'y a fait. Et puis ce petit garçon là, de 2 ans dont je vous parlais, à qui on avait lu pendant plusieurs séances beaucoup de beaux bébés, qui était devenu un livre qu'il aimait, il a pris le livre, il a ouvert à la page d'un bébé qui pleure et il a apporté la petite fille qui immédiatement s'est arrêtée. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de c'est à la fois, si vous voulez, reconnaître la souffrance de l'enfant en question, lui montrer qu'elle n'est pas la seule, que ce sont des choses qui peuvent arriver à d'autres. Pour elle, c'était une manière de... Elle la disait, sa souffrance en pleurant, hein, mais... c'était une autre manière de l'exprimer que de rentrer ou de mettre le doigt ou de regarder en fait la souffrance de ce bébé qui pleurait. Et on pense, parce qu'on ne peut jamais savoir exactement, on pense aussi que ce qu'elle a aimé, c'était que ce petit garçon qui arrive, qui a donc réfléchi la souffrance de la petite fille à laquelle il apporte le livre, ce petit garçon, il a pris en compte cette souffrance et cette petite fille, elle s'est sentie regardée, elle s'est sentie, probablement valorisée et probablement aimée par cet acte qui est quand même un acte d'amour. Hein. Avoir comme ça sur la page d'un livre des émotions traduites, soit par le récit en texte, soit par le récit en image, c'est ouvrir effectivement une possibilité d'expression et en même temps une possibilité de ressentir. Hein. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'outils aussi précieux que le livre dans la vie courante. Il est dommage que ça ne soit pas malheureusement des pratiques pour tous. Dans beaucoup de livres, vous avez des scènes dans lesquelles les parents lisent, et vous avez même des livres dans lesquels, si les parents ne lisent pas, les choses s'arrêtent, les personnages ne lisent plus, etc. Ponty, par exemple, hein, Ponty, dans presque tous ses livres, vous trouvez des livres, vous trouvez des scènes, vous trouvez des références à des livres, parce que, encore une fois, nous sommes l'espèce fabulatrice que décrit Nancy Houston et beaucoup d'autres. Hein. Donc, comment s'appelle-t-il Jérôme Brunner, il a écrit un livre, c'est celui, hein, pourquoi nous racontons-nous des histoires? Nous nous racontons des histoires parce que c'est un besoin élémentaire, vital, aussi vital que de boire du lait quand on est petit, c'est vital. Hein. On ne peut pas vivre sans monde parallèle. On ne peut pas vivre sans espace dans lesquels on peut faire des expériences qui vont au-delà de celles que la réalité, que le réel nous propose. On ne peut pas, nous serions très pauvres. Et ce qui explique d'ailleurs, chez l'enfant, dans ses jeux de faire semblant, combien il est beaucoup plus souvent dans son imaginaire, dans des fictions imaginaires qui s'inventent, que dans la réalité, parce que l'imaginaire est beaucoup plus riche que la réalité, hein, qui est plutôt appauvrissante, et surtout
chez l'enfant, il y a quand même cette, il y a quand même cette dimension que là, le monde imaginaire est moins frustrant, parce qu'il répond plus à vos désirs, en général, quand vous le considérez ou quand vous le construisez, évidemment, il y a moins de frustration, il y a moins de contraintes que dans la vie réelle, puisque vous le construisez comme répondant le plus souvent à vos désirs. Donc, Ponty, on va trouver des tas de livres dans lesquels on est, les parents lisent. Chez Corentin, en particulier, donc L'arbre en bois, là, qui est extraordinaire d'ailleurs, c'est un livre que vous devriez lire sans arrêt, parce que L'arbre en bois, le père commence à vouloir raconter un livre avec, j'ai envie de dire, à moi. Et puis, les enfants lui disent non. Non, on n'a pas envie de ces livres-là. Nous, on a envie de... Enfin, je n'ai pas les mots de Corentin en tête, mais ce que veulent les enfants le soir, ce sont des livres qui les remuent, qui procurent des émotions fortes. Et c'est l'histoire de la table de nuit qui est à côté. Et tous les déboires par lesquels elle a dû passer pour arriver à être une table de nuit, c'est-à-dire être arrachée de son lieu, du lieu dans lequel elle est née, la forêt, respirer, sentir le vent sur ses feuilles, avoir des oiseaux sur ses branches, etc., pour finir dans une table de nuit, heureusement à côté d'enfants qui aiment les histoires. Mais bon, voyez, tout ça, et vous voyez aussi combien est grave la question que pose Corentin, hein, combien est grave, et combien d'ailleurs ça pose la question de la responsabilité aussi que nous avons, nous humains, pour notre plaisir de couper des arbres et autres. Donc, moi, je ne sais pas comment vous vivez, vous, mais voilà, et avec les enfants avec lesquels nous partageons toutes ces lectures, nous avons constamment une espèce de sourire qui se dessine sur nos visages quand on voit les enfants aller plutôt chercher ces livres-là.